Face aux jeunes, un panel constitué du docteur Zakaria Ousmane, agronome, du docteur Ndouri Jovian, nutritionniste, et Kodi Marie, spécialiste de la question genre. À leur côté, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Routouan Mohamed Ndonga Christian, et le secrétaire d'État, Mbaye Golmem Sébastien. Quel rôle doit jouer la jeunesse tchadienne pour booster la production agricole et permettre au pays de s'autosuffire sur le plan alimentaire est le principal sujet sur la table. Comme piste de solution pour élever ces défis, les panélistes recommandent aux jeunes d'entreprendre massivement dans le secteur agro-silvopastoral. Pour les conférenciers, le Tchad dispose de tout ce dont il faut pour être souverain sur le plan alimentaire. D'où, ils exhortent les jeunes à se lancer dans l'agriculture pour produire en quantité afin de couvrir les besoins alimentaires du pays et surtout à s'intéresser à la transformation locale. Le secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'entrepreneuriat, Mbaye Golmem Sébastien, indique que le gouvernement a toujours accompagné et orienté les jeunes dans le secteur entrepreneurial. Il ne reste qu'aux jeunes de saisir les opportunités que leur offre le gouvernement, conclut-il. Les jeunes, quant à eux, ont affiché leur volonté à opter pour ce secteur pour apporter leur contribution au développement socio-économique du pays.